Et salut tout le monde, c'est Scorpio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Football Manager. Donc, on s'attaque au cinquième épisode, pardon, si je vous dis pas de conneries. Bah écoutez, j'ai un petit pas avancé. J'ai fait quelques matchs amicaux et. Aïe 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 aïe. Shit, on a tout perdu. Alors, bah, il y a du bon à retenir. Contre Leeds, on a fait 2-1, on gagnait 1-0 et après, on s'est fait remonter. Par contre, je suis très déçu de Albion. C'est le match que vous disiez qu'il fallait qu'on gagne. On a perdu 1-0. Après, on se prend pas des grosses tatanes, hein. Mais voilà, pareil, là on gagne 1-0. Et après, on s'est fait remonter. Donc voilà. C'est pas ouf pour le moment. C'est vraiment pas ouf du tout. Et il y a un truc qui me dérange, c'est avec la tactique. En fait, le système de long ballon devant, enfin, même de base, personnellement, j'aime pas ce genre de tactique. Et pareil, il y a eu un changement de tactique parce qu'en gros, il me pensait plus aux contre-attaques. Donc tactique, j'ai mis jeu sur les ailes pour qu'il s'habitue un petit peu. Ça revient un peu au même que long ballon devant, mais voilà. Après, je rappelle que de base, est-ce que c'est parce que j'ai modifié et que normalement c'est pas comme ça qu'on joue long ballon devant? Après, c'est plus logique. Et je crois qu'on avait eu un rapport il y a pas longtemps sur nous. Ah oui, donc bon, il y a aussi d'autres trucs. Je crois qu'il y a eu des arrivées dans staff où il est responsable du recrutement. Il y a un mec qui est arrivé. Hop. Voilà, mon classique, hein, rien d'exceptionnel. Hein. responsable. Bon, de toute façon, il n'y a pas le poste responsable de recrutement. Bref, c'est notre responsable du recrutement. J'ai fait des prêts aussi. Deux, trois prêts pour les faire progresser. Ah bah, il est déjà blessé. Bah, au moins, ça promet. 6 jours, bon, ça va. Dynamique, bah, toujours catastrophique. Alors que j'ai essayé de faire esprit d'équipe pour les faire progresser en dynamique de groupe, mais ça n'a pas l'air de avancé pour le moment. Les entraînements individuels, par contre, bonne surprise, il n'y en a que quelques-uns qui sont inquiets. Temps de jeu, ils sont inquiets. Ah ouais. Ouais, bon, ok. Donc voilà. Donc là, pourquoi je reprends là? Tout simplement parce que c'est les matchs amicaux qu'ils ont imposé, donc on va les faire ensemble, hein, tout simplement. Et voilà, j'ai failli faire un prêt. Ah, voilà, donc ça commence avec Celtic. Ça va falloir faire va falloir être très vigilant qu'on puisse. Donc ouais, j'ai proposé un prêt à un mec, sauf que bah, j'étais à 100, c'était à 950, et moi je pouvais proposer qu'à 850, et peu importe combien je proposais à 850, il voulait pas. Et en plus, c'était un défenseur gauche, il était très très bon. Donc malheureusement, voilà. Alors par contre, c'est vraiment de la merde ce qu'il me propose. Ah bah, ah, c'est déjà mieux. Le problème, c'est qu'on a déjà pas mal de joueurs et j'ai pas envie de baisser le temps de jeu. Défenseur central, par contre, ça pourrait être intéressant. Donc, on va proposer. Et normalement, il me le demande à zéro, normalement. Ok, super. Ça, bon, deux, non. Voilà, faire attention, pas avoir trop de joueurs en prêt, mais en avoir quelques-uns pour nous aider. Mais surtout, là, ce qu'il nous faut absolument, c'est un défenseur gauche. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai envoyé un joueur en équipe réserve parce qu'il était vraiment mauvais. Vous savez, c'est le joueur à 2 là qui coûte cher. C'est. Ouais. Bon bah voilà. Hein. Non, en vrai, je suis un peu déçu parce qu'il y a des matchs amicaux, j'aurais bien voulu les remporter et on les a pas gagnés. C'est assez dommage. Et surtout, niveau recrutement, bah c'est pas ouf. Donc je pense qu'on va. Tiens, on va rechercher un. Ah oui, j'ai eu des offres aussi pour l'équipe réserve. Le seul problème, c'est que. Ceux qui me demandaient pour l'équipe réserve, enfin c'était des, il y en avait, c'était des bons entraîneurs honnêtement, mais ils avaient déjà un club et il y avait une compensation de 2000 à payer. Et sachant que là il y a déjà des problèmes de finances, je ne sais pas pourquoi et j'ai l'impression que c'est, je sais pas, ils font de la pub frère, je sais pas ce qu'ils font mais dépenses. Et je sais pas si c'est moi ou pas. Chaque fois ça j'ai des problèmes autres, je ne sais pas c'est quoi autre. Fonctionnement du club. Enfin bref, voilà, bon après c'est le début, hein, on s'en fout. Ah, bien sûr, on a déjà un match. Je voulais voir, ah oui, staff. Je voulais voir si je pouvais recruter par miracle un bon recruteur. Voilà, donc pour le moment, c'est pas ouf, hein. Bon, après, je rappelle, normalement, on doit finir dernier du championnat. Hein, donc, on va voir si c'est le cas ou pas. Oh là là, mais c'est catastrophique. Attends, mais... Ah oui, ok, bon, c'est déjà mieux. Bon, bah, on commence, hein. 5-5-5, super, eh, ça va nous aider ça. 7-5.
Bah, on n'a pas trop le choix, hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Enfin. En plus, il demande un truc gastronomique. Ouais, vas-y, va te faire foutre, ouais, frère, c'est bon, c'est trop. Ah, je suis vraiment très. Ouais, mais allez, c'est bon. Mais frère, mais c'est pas. Hey, les gars, ils se croient en Ligue 1, c'est pas possible. Non, attends. Donc là, par contre, on va prendre la meilleure 11. Ça, il est blessé, ça c'est normal, il est pas parce que c'est le mec, c'est le joueur que j'ai prêté. Voilà. Donc c'est ça notre meilleur effectif. Alors, honnêtement, c'est pas si dégueu que ça peut paraître. Je l'ai déjà dit ça. Par contre, lui, normalement, il devrait jouer attaquant. Le problème, c'est que là, on n'a plus rien. Voilà. Il nous manque des joueurs, en fait. C'est ça le problème. Parce que là, quand on analyse, on est bien. On a aucun. On a quelques problèmes mineurs. On est vraiment bien, je trouve. Et on a connaissance, elle commence à se développer. C'est pas mal. Seul problème, bah, c'est qu'on gagne pas. Consigne particulière, on va demander à l'entraîneur adjoint. On va intensité du pressing. Jouer le ballon centré de loin. Ouais. Alors direct, pareil, ça apparemment les joueurs ils préfèrent. On va mettre normal, tiens, on va tester normal. C'est qui nous attaque en milieu centre? Pas trop. Alors ça c'est pareil frère, on va relancer sur les ailes. Mais en fait, ouais, voilà, hop. Vous savez quoi? J'ai l'impression que nos ailiers sont bien meilleurs. Ah, le problème c'est que là c'est catastrophique. Renard des surfaces. Ok. Est-ce que là, nos ailiers, c'est qui? C'est McClear et Barr. Ouais, bon, allez, attends, laisse tomber. Allez, hop. Non, on veut choisir le meilleur 11. Hop, on le remplace. Ah, donc ça, faut remplacer. Ça, faut remplacer. Et le reste, c'est bon. Donc, il nous faut un milieu offensif central. Patron, surtout que ça passe par lui apparemment, donc voilà. Donc là, on va plutôt relancer vers les ailes parce que les ailiers sont bien meilleurs que le central. Consigne particulière, tac. Ouais, bon, allez, let's go. On verra. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a l'autre qui est blessé. Enfin, qui est pas chez nous. Regardez, ils sont tous verts! Ils sont tous verts, c'est magnifique! Ils sont tous verts, les gars. Là, je vous promets, je veux une win. C'est rien d'autre qu'une win. Il faut absolument qu'on la gagne. Je veux pas une défaite. Pareil, la motivation, c'est vraiment pas mon fort. Voilà, donc là, faut qu'on gagne, là. C'est pas possible qu'on ne gagne pas. J'ai modifié un peu la tactique pour relancer sur les ailes. Normalement, les passes sont plus courtes, donc il n'y a personne qui se plaint. Regardez ça, on a déjà des notes de 7. Regardez, regardez, 7 cadrés. Oh, attendez, c'est peut-être le moment où on va peut-être gagner. Enfin, oui, let's go, les gars, on va le faire. Oh putain, ça y est. Après toutes ces défaites. Mais en vrai, je rigole, mais. Les matchs contre Leeds, Aston Villa et Celtic étaient vraiment pas dégueux. Par contre, là, on vient peut-être trouver une compo qui est pas trop mal, honnêtement. Parce que, en gros, le central est mauvais, donc on va pas jouer dans le centre. Ouais, voilà, voilà! Mais voilà, les gars, let's go! Par contre, je sais pas si ça vaut quoi le niveau du club en face. Mais par contre, une victoire, je pense que ça mettrait bien pour le moral. Donc, ouais, bon, là, ok, on les écrase. on les écrase carrément. Bon, je m'attendais pas à ça, je pense. Sparkle, mais c'est qui ce crack Sparkle? Mais c'est notre attaquant vedette! 4-0, mais c'est quoi ce bordel, les gars? On va leur mettre des zéros, quoi! Mais attends, mais c'est quoi le club en face? Et attends, mais c'est exceptionnel ce qu'on fait là, mais ils jouent quoi? Ils sont 150e, les trucs? Première ligue Écosse. Ouais, je sais pas, bon, en vrai, c'est un club éclaté, mais on gagne 4-0 quand même! Au moins, ça mettra un bon moral aux joueurs, donc c'est cool. On va pouvoir les féliciter. Voilà, voilà. Après, bon, s'ils proposent des matchs contre des clubs éclatés, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que les clubs éclatés, enfin éclatés mauvais, on arrive à les battre. On n'arrive pas à battre les joueurs de notre niveau et. Leeds, vraiment Leeds. Putain, quand on gagnait 1-0, j'étais là, attends, on va peut-être gagner. Et finalement, non. 1-1, ça m'aurait plu. Après, égalité contre les bons clubs, ça me dérange pas, mais. Ok, bon, 4-0, dommage, on n'a pas marqué à deuxième mi-temps, mais on a été excellent. J'ai pas fait de remplacement parce que. Voilà, tout simplement. Ça se débrouillait bien. Match amical.
Match sans surprise, ouais, voilà, donc c'est pour dire qu'on était vraiment favoris. Et par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a déjà des matchs qui ont commencé. Parce que nous, on commence très tard la saison, hein, honnêtement. Voilà, c'est Evan McLevy, son entraînement. Pourtant, il fait des progrès, hein. On va le laisser comme ça, malgré qu'il se plaigne. Et je pense que le championnat va pas tarder à commencer, calendrier. 10-10 en octobre. Ça va être très compliqué la coupe, les gars. On est la plus faible équipe du groupe. On n'a pas eu de chance sur ça, mais au moins, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Et on va se concentrer sur le championnat. Oh, j'ai juste changé un truc de l'entraînement parce qu'on a deux fois physique et j'aime pas avoir deux fois le même. Tac. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas du tout. Ça dépend à quel poste il joue par pitié défenseur gauche. Oh. Non, c'est pas suffisant. 3 étoiles, j'aurais dit oui, mais ça, on ne sait pas. Donc, le problème, c'est qui? Faut que je propose une paire d'essais. Bon, allez, proposer une paire d'essais. Oh! You. Ok. Faire une offre. Par pitié, frérot. Je te prends 100%, frère. Y a pas de souci. Attends, est-ce que je demande à 90%? Le problème, c'est que les gars, on a vraiment besoin d'un latéral gauche. Non, ça a été... Non, putain, ça me casse les couilles à chaque fois, ça fait ça. Non, 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 non. Oh, je sais plus c'est où. Oh, attendez, attendez. C'est lui, je crois. C'est lui, je crois. Et je peux pas lui proposer indirectement? Normalement. Attends, je sais plus comment ça marche. Putain, mais à chaque fois je voulais faire retour pour voir, mais ça disparaît, non. Attends, j'ai ça aussi, il faut que j'enlève. Ouais, l'idée, on va mettre fin. Il est con quoi, frère? Attends, 700. Je peux pas mettre 700. On va voir s'ils acceptent ou pas. Non, 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 attends. Entraînement, on va mettre général plutôt. Hop. Va voir si 700 ils vont accepter ou pas. Enfin, normalement, ça a proposé, hein. Je sais pas quoi dire. Pourquoi ça ne marche pas, frère? On est... Tout à l'heure, ils étaient OK pour 700 et là, ils sont plus... Oh putain, l'erreur que j'ai fait, sérieux. Ouais, mais c'est éclaté, hein. C'est toujours aussi éclaté, hein. Félicité. Ah, 8, c'est pas énorme pour un bon... 6,76, c'est pas ouf. Ah oui, c'est lui qui voulait rejoindre, qui était à Celtic. Alors, faire attention parce que je crois qu'il y a un nombre de prêts défini. Enfin, il y a un nombre de prêts max par compétition. Bon, on va le faire jouer directement. Alors, je pense que c'est parce que c'est. Ouais, bon. C'est pour les rendre affûtés parce qu'il y en a certains qui sont pas affûtés. Donc, on va laisser ça comme ça. Juste analyse. Couper. Ah oui, parce qu'il est en. C'est en équipe de réserve ce niveau. Mais il joue ce type. Ouais bon allez, let's go. De toute façon, c'est normalement c'est contre une équipe. Mais content de ne pas évoluer son poste. Ouais bon. Normalement c'est contre une équipe plus faible, donc on va voir.
Donc là, on a deux joueurs en prime, il me semble, hein, si je vous dis pas de conneries. Hop, donc, ouais. Bon, ok, ça commence bien. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est une équipe plus faible, donc faut faire jouer un peu tout le monde. Et ce qui me saoule, c'est que ça. On peut pas refuser. Enfin, on ne peut pas annuler de matchs amicaux, normalement, sur Football Manager, ce qui est une fonctionnalité qui manque, je trouve, qu'on devrait annuler. On devrait pouvoir annuler un match amical. Et. C'est qu'ils me le mettent sur un entraînement, donc je perds un entraînement et c'est hyper important, surtout en début de saison. Donc, ah, ça part. Ok, hors-jeu. Voilà, c'est dommage. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a déjà un mec qui est essoufflé. Oh, magnifique. Pff, propre la relance. Ça, la dinguerie qu'il vient de faire. Donc, lui, il est déjà fatigué, donc on va le remplacer. Ouais, peu importe en vrai. Que tout le monde puisse jouer un peu. Ouf, l'arrête peu. Après, ouais, ça te fait un 3, je pense, c'est parce qu'il a fait une passe décisive. Enfin, décisif. Note moyenne, on a 7-14. Ok. Vous voyez, quand même, on est mieux physiquement qu'eux. Parce que vous voyez, ils sont déjà épuisés et nous, on est déjà plutôt bien. Ça montre que. Oh, penalty. Putain, calme. Ils veulent arrêter ou pas? En vrai, c'est dur de les arrêter, les penalty. Ça m'est déjà arrivé, putain, vous êtes trop contents, hein, ça arrive. Je vais pas féliciter parce qu'ils viennent de prendre un but. On va juste dire que je suis content de la prestation et on va relancer. Ah, ils ont fait tourner, bah oui, normal. Nous, on va les laisser jouer comme ça, ils sont plus affûtés. Mais de toute façon, normalement, ces joueurs-là, il n'y en a pas beaucoup qui joueraient dans l'équipe première. Et surtout pendant le championnat. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui pourraient se plaindre. Et donc, faut avoir un bon leader pour qu'ils puissent leur dire bah, de pas s'inquiéter du temps de jeu. Ça, c'est très important dans une équipe. Bien joué. J'allais dire hors-jeu, mais non, ça devait le faire. Il a dû partir avant. Voilà, on va faire quand même un changement. Hop. Et toujours pas de défenseur gauche, hein, vraiment. Catastrophique. Merde. Moi, si tu on va faire ça. Défenseur central. Ok, on n'a pas. Ouais, on voit quand même qu'on manque de joueurs parce qu'on devrait avoir 12 remplaçants. Après, comme je l'ai dit, hein, j'ai envoyé des joueurs en prêt. Donc ça aide pas non plus. Mais au moins, pourquoi je les ai envoyés en prêt? Parce qu'ils seront titulaires. Donc ils auront un bon temps de jeu. Bon, après, le centre de formation est nul, mais bon, il est comme le nôtre. Hein. Par contre, là, ça devient chaud, là, les gars. J'ai mis les remplaçants. What? Mais attends, c'est bizarre, frère. Pourquoi on se fait trouver comme ça? Ok, bon, ça a failli mal se passer par contre, j'aurais pas accepté une égalité. Hop, contre Heriot, qui est conférencé en Écosse, ouais, donc c'est une ligue en dessous, je pense. C'est à. Staff. Mais je ne comprends pas, hein. Enfin, ils font de la pub ou quoi? Parce que on est d'accord, je suis carrément dans les clous pour les dépenses, mais il y a un truc, c'est autre, je ne vois vraiment pas c'est quoi. Je vois pas là. Truc c'est qu'ils étaient déjà en solde négatif quand je suis arrivé. C'est pas moi qui ai proposé, hein. Bon, allez, on va accepter. C'est pas moi qui ai proposé, hein, par contre. Oh, ok. Rien de ouf hein, pour le moment. Est-ce qu'on peut proposer un transfert gratuitement? Ça m'étonnerait fortement. Je pense qu'ils vont nous demander de faire payer.
Oh, attends, ils sont énervés sur les matchs amicaux là. Et je pense que je vais recruter un entraîneur. On va en prendre un, tant pis, hein, honnêtement. C'est au moins qu'il y ait quelqu'un à ce niveau-là. Là, c'est de la merde, là. Vraiment, ce qui me... Ce qui... Ah ouais? À zéro? Ah non, mais non, ils vont... Ça veut pas dire qu'ils ont accepté. Là, vraiment, c'est de la merde ce qu'ils ont fait pour les matchs amicaux. Enfin, c'est bien d'en avoir plusieurs dans la semaine, mais là, on n'a clairement aucun entraînement. Là, c'est que des matchs amicaux. Et à la fin du mercato, bientôt. Ouais, bah. Catastrophique, je crois que c'est en train d'augmenter. Ouais. Moyenne, ça a baissé, je ne sais pas pourquoi. État d'esprit. Temps de jeu inquiet, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il joue tout le temps. Ok. Très déçu et je félicite. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là encore une fois. Là, je vais faire les matchs amicaux et on va commencer le championnat ensemble. Hein. Oh. Ok, attendez. Joueur important. Semi-pro. Semi-pro. Je pense que je vais demander le premier parce que. Ils me disent. Bon, même si le prix est plus haut, enfin l'indemnité, là au moins on a. Attends, il joue où? Ah, mais lui, je vais pas le prêter, lui, c'est mon seul défenseur gauche. C'est lui ou pas? Putain, j'ai un doute. David McKay. Non, lui, je vais pas le prêter. Je sais pas pourquoi on l'a mis en... je l'ai mis en prêt, mais non. Et rendre ma part. Ouais, voilà. Bon, voilà, on s'arrête là. Je vais faire les matchs amicaux de mon côté. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, prochaine fois, je pense que ce sera le début du championnat ou de la coupe. Hein, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner ou à liker ou à regarder mes autres vidéos. Et à bientôt!